Le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sorts. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. C'est cela qu'au Moyen-Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris 3 siècles. À partir du 15, 16, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie et sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leur région, dans leur village pour développer, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche en sous. Ouais, nous sommes en train de finir ta délivrance. N'est-ce pas? Hein? On est en train de finir, hein? Parce que il ne suffit pas seulement de dire non, j'ai attaché des gens, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Amen. Quand tu étais ici, il y a quelque chose qui te cachait. N'est-ce pas? On attendait de te délivrer. Je vais aller délivrer la femme. Tu dis quoi? Ça déplaît. Pourquoi ça déplaît? Hein? Toi, tu gardes ma gamme de délivrer. C'est ça? Pardon, comment? Je mange. C'est toujours par rose. Pardon, je mange. Pardon, je mange. Hein? Pardon, c'est pardon. Aujourd'hui, c'est ça, tu as gardé quoi là-bas? Pas gâté. Tu as gardé quelque chose. On va aller chercher, c'est quoi? Monsieur Cardinal. Hein? Cardinal. Hein? Cardinal. Tu as fait quoi le cardinal? Je vais faire les enfants de Dieu. Hey, parlez, monsieur, parlez ou bien? Oui, je vais vous mater. On va arriver là-bas, pas caméra, hein? Mm. Si tu es dérapé, le maréchal va te montrer à faire des brigades là, hein? Et puis je te nettoie quand on vient ici. Ah, je vais sur le terrain. Tu as pas vu les caméras? Oui. Je m'en vais mes enfants. Hein? Je m'en vais mes enfants. Il faut parler comme un homme. Parce que quand vous avez le pouvoir, il faut parler comme un homme. Moi, je n'ai pas peur. Je te parle comme garçon. Tu as fait quoi? J'ai gâté les enfants. Tu as gâté les enfants dedans. Mm-hmm. Tu n'as pas bien compris. Mm-hmm. Tu as gardé ça dedans. Mm-hmm. Tu parles le nom de chacun. Mm-hmm. Et puis t'attaches. Mm-hmm. Satan ne peut pas voir ta pensée. Satan a souvent respecte les gens. Tes propres enfants. Ils t'ont insulté, ils t'ont jeté. Hein? Hein? Quand cela vient, tu ne pourrais pas savoir. Qu'est-ce qui vient? Si Satan, le démon vient d'aller, tu sais ce que tu verras, tu ne pourrais pas. Après, maintenant, tu te réveilles. Ah bon? Il quitte où pour venir? Après, tu te réveilles. Il quitte où pour venir? Il quitte où pour venir? Hein? Il quitte d'aller où il vient? Où il vient? Pourquoi tu lui dis pas, reste là-bas chez toi? Et je, quoi c'est chez toi, il rentre? Hein? Amen. Pourquoi? Donc quand il rentre en toi, tu deviens mauvais. Si il rentre dans son roi, il vient de te faire, mais si il pique, il y a moi, ça vient. Bon. Donc le lieu t'a pris, t'a fermé. Quand c'était ton dernier, ton pouvoir, c'est ça? Monsieur, répondez.
Moi, je suis quitté à la veille, je suis venu l'aider. Je ne suis pas obligé, mais c'est parce que c'est des vies en danger. La vie fétiche, là, c'est pas tout le monde qui déteste. C'est ma vie, ils sont en train de les risquer. C'est ma vie. Un jour, j'ai détruit fétiche, ça a pris mon cœur. J'ai failli avoir ce qu'on appelle crise cardiaque. Vous pensez quoi, vous? Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils ont envie de dire pour faire crasse. Mais nous, nous sauvons la vie des gens. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas. Si je n'avais pas Jésus, j'étais déjà mort, mon crasse. Si je n'avais pas Jésus, il y a longtemps, je suis mort. Je suis pas là, moi je suis pas là, c'est pour ça qu'il ne traîne pas bien, ça m'intéresse pas. Je mets au cœur de la sorcellerie, c'est mon travail. Là où il y a la sorcellerie, là, puis j'attaque ça. Je veux voir les gens vivre. Moi ils ont tué ma famille. Je suis le seul. Ils ont tué mon papa, ils ont tué ma maman, ils ont tué tout le monde. Donc moi, Dieu m'a délivré, je le remercie, il m'a donné ce don pour sauver les gens. Amen. 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 Ah, c'est quel homme de Dieu qui attaque la sorcellerie? Je leur ai dit, mais vous n'attaquez pas la sorcellerie, vous attaquez qui? Si vous n'attaquez pas les sorciers, c'est qui vous attaquez? Arrêtez de prêcher. Ce qui nous dérange, c'est les sorciers, c'est pas autre chose. Vous priez, les sorciers de ta maman te dérange, ou mon village, il ne faut pas venir en Afrique. Tu es un menteur. Il ne faut pas qu'on soit délit quelqu'un. Nous, on va au cœur. C'est ce que nous allons faire. Maintenant, de faire quoi? Il y a des dons, ce don-là. Si Dieu n'est pas avec toi, le diable te tue. Si Dieu n'est pas avec toi, le diable te tue. C'est pour ça que les gens parlent, moi je les regarde. Ça ne me dit rien. Je sais ce qui je suis. Moi, je connais mon alliance avec Dieu. Ce n'est pas un travail. Moi j'ai un métier. Je suis intellectuel. Je suis allé à l'école. J'ai un savoir. Mais c'est Dieu qui m'a appelé à le servir. Ça n'est pas un travail. J'ai là tout le temps d'écouter les saletés. J'ai tué, j'ai mangé, et quoi? Et j'ai mangé ce qui est dans son ventre. J'ai mangé ça, et sauce, et foufou. Ça, c'est travers ça. Tout ça, j'ai pris Dieu. Je mets bague. Il faut que ma femme me comprenne. Amen. Amen. Mais quand j'ai fini mon travail, je ne suis plus à l'aise. J'écoute les saletés jusqu'à. Et bien, je suis bizarre. C'est un faux travail. Mais je fais ça avec passion. Pourquoi? Parce que je veux voir des gens libres. Je veux aider des gens. Pourquoi les gens ne vont pas dans les villages? Parce qu'ils savent que on ne peut pas offrir là-bas. Le offrande. Si tu veux vous faire 4 offrandes, il va venir. Assemblée Louis, 10 francs. Assemblée Louis, 10 francs. Tu veux faire 4, 40 francs. Si tu veux faire 5, c'est 4 francs. Il est prêt. Vous n'avez pas vu un villageois qui donne bien. Il ne faut pas aller cacher quelqu'un là-bas. Hein? Non. Moi, je vois dans ta poche. Moi, là, je te vois partout. Dans tes oreilles, dans ta tête. Va viser. Tu parles. Tu mets moins. Ah oui. Donc va tranquillement, il va pisser. Ferme ta bouche et va pisser. Je suis en train de faire mon travail. Amen. Amen. Et ils savent qu'au village, ils savent ça. Ensemble, nous voyons les seigneurs. Le gars, il remplace pièce. Tu vois la vieille. Et même si paye. Elle a fini ça. Ça va être tourné. Tu payes là beaucoup d'argent. Offrande. C'est 500. 1000 personnes, c'est 500. Donc, c'est rien, il ne peut pas. Il faut avoir l'amour des âmes pour faire ça. Hein? Ou bien nous, c'est ce qu'on regarde. Puis Dieu nous bénit. Si on regardait aux francs, on n'avait pas venu dans les villages. Amen. Il y a même un peuple d'aller demander des francs. Ils ont quoi? Mais si nous n'allons pas vers eux, ils seront toujours sorciers. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce don, je bénis Dieu pour ça. Ça a permis aux gens de comprendre le phénomène de la sorcellerie. Ça a ouvert les yeux de beaucoup de personnes. Et cela a amené à comprendre que c'est à cause de eux, leur manière de faire que les sorciers ont raison. S'ils ont Dieu, le sorcier n'a plus de pouvoir sur eux. Gloire à Dieu. C'est une victoire. Alléluia. Est-ce qu'on m'a bien saisi?
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Sur ça qui joue au village. Sinon, si je suis à Bignan, tu chutes. Bien fait pour Azal, c'est des milliers de personnes qui sont sorties. En 2010, je priais à la Palmas. Tout, je priais le soir, dimanche soir. C'est rempli de tout le monde. Les gens sont arrêtés sur les voitures. Ceux qui sont merdés sont les grands. Les grandes personnes, c'est les gens les plus emmerdés dans la société. Hein? Faut avoir un peu. Tu vas voir sorcier tout de suite. Et ils sont là pour gâter. Ce qui est bon. Bon, Dieu m'a dit, ok, il faut laisser Abidjan. Il faut être sur le terrain. C'est pour ça que je suis ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il y avait un petit, vous allez voir un plus puissant que moi. Me terrasser. Mais la chose qu'on ne peut pas détruire, c'est la puissance de Jésus. Le sorcier, c'est ça, il ne peut pas. Il ne peut pas détruire ça. Ça, vous confiez-vous à Dieu? Ce n'est pas une question de crassos. Marchez avec Dieu. Non, les sorciers m'attaquent. C'est non, il t'attaque. Moi, je m'attaque. Si vous expliquez comment je suis attaqué, je dois partir. Alors, monsieur le prophète Joël Casso, le maréchal d'Afrique dans ce sens-ci. Il est pratiquement samedi, aujourd'hui c'est samedi 2 juillet 2016. Nous battons pour une action prophétique, la destruction des œuvres de la sorcellerie. Voilà, une famille, n'est-ce pas, était tellement engoûtée pour que le sorcier a mis cette famille dans un cadenas, tout ça. Après les affaires, il fallait que nous puissions aller sur les lieux afin de pouvoir démolir et détruire sur ça. Voilà. Donc voici le monsieur en question. Ça va Thomas? On a qu'à les déterrer. Tu as fait quoi à Kadina là? Tu as mis quoi dedans? Hein? Voilà. Je pardonne. Oui, mais tu pardonnes, mais tu as fait quoi? C'est mais qu'est-ce que tu as fait réellement le Kadina? J'ai la chance. Donc tu as parlé, tu as caché ça. Voilà. Okay. Tu veux qu'on enlève ça aujourd'hui? Voilà. Comme ça, ils seront délivrés. Voilà. Okay. Voilà, donc vous l'avez entendu, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est quand dans quel coin? C'est dans quel coin? Comment l'appelle? Yanzaroko. Yanzaroko. Au village même. Ah, au village. C'est où ça? Je ne connais pas. Ouais. C'est pas trop loin. C'est pas loin. Ils sont arrivés. Quittez pour toi, il y a 9 km. Combien? 9 km. 9 km. Mmh. Ah, mais c'est bon. Quand le noir dit 9 km, il faut ajouter 9 en bonne avec 18. Hein? Non, pas du tout. J'amène pour calculer. En fait, 9. C'est 9 juste 10. Quand le noir dit c'est 9 km, faut imaginer, ajoute des 4 ou 3. Je connais mon diable la vie plus de fois comme ça. 9 km, 10 km, il va y avoir 20 km. Bon, là n'est pas le problème, c'est il faut que nous arrivions, peu importe la distance, il faut que la famille soit délivrée. Voilà, c'est l'avant-dernière phase de cette activité-là. Tu es resté longtemps là, on a pris le temps, on est en train de délivrer toute la famille. Tous ceux, tu te souviens, voilà, tout ça. Comme tu avais oublié, tu t'es rappelé maintenant qu'il y avait Kadena. C'est ce que nous avons détruit. T'as compris? Pas pour te donner à Dieu. Satan t'a blagué. Hein? Il t'a blagué, hein? Il t'a mangé. Il t'a blagué fort. Il t'a mangé, hein? Mangé toutes les sauces, les critiques, les sauces bergées, les mêmes. Voilà là. Il a tout mangé. Il a mangé les pieds de ton petit-fils. J'ai mis ça dans une sauce tomate. Je l'ai commandé à Kondiaman et Baoulé. Ok, ça va suggérer. Mais Dieu te pardonne aussi. Non, on ne te condamne pas. C'est le diable là, qui t'a blagué, là, qui n'est pas bon. Nous, ne te condamnons pas. Notre souhait, c'est que tu puisses vraiment voir la puissance de Dieu et que tu sois sauvé. Que ton âme soit sauvée. La grande voie, la route. Nous avons... Comment on fait ton patron? Comment on fait ton patron? Là, là. Oui. Tu es dans le village maintenant? Oui, je suis dans le village. Tu es dans le village? C'est le village de quoi? Résident? C'est Tidia. Tu n'es pas Tidia du coup là-bas? Non, c'est sûr. Comment le nom de...
Monsieur, c'est voiture, s'il te plaît. Si ça, c'est gâte, ça fait. Derrière la voiture, il y a pion, c'est tout et tout là. On a les chaussures. Regarde, il vient avec ça. C'est ma carrière avec. Pour votre travail, toi, tu ne connais pas, dis tu passes. Le gars, il veut nous faire passer dans un petit coin. On dit, ah, t'as mis ton dragon là pour nous attaquer. Petit fils. Il y a deux mois, ils ont tout le monde. Vous sauvez les gens, ils m'en fichent. Hein. Dans une natte, je mets, ils l'ont fou. Tout le monde de brusquerie. On a fait une mari. Faut parler la grille. Faut faire ça là, ça c'est quel bon cœur qui est là. Oui, allez. Ça va bien ça. Où est ta chambre? Ma chambre.
Demain. Oui. Bien. Vous coupez. Yama, viens. Yama. Oui. Mais ici, c'est ça? Mets ta vis au lit là-bas. Hein? C'est ici. C'est ici. Monte bien. Monte, monte. Où tu as fait? Comment tu as fait? Montre-nous comment tu as fait. C'est ça là, les gars. Hein? Comment tu as fait? C'est cassé. C'est ici. Mmh. Donc, il faut creuser. Faut montrer où t'as mis. C'est ici? C'est ici. Monte, monte, t'as mis ton doigt. C'est ici, t'as mis, monte ton doigt, c'est ici? Bon, j'en ai pas creusé. Où suis mon doigt? Prends ta chose, prends ça. Vas-y, prends. Prends ta chose. Prends. C'est pas pour toi. Hein? Hein? Tiens. Donne-moi une lame. Qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Toutes les œuvres sataniques, démoniaques, qui maintenaient toute cette famille dans la captivité, qui bloquaient les mariages. Oui, au nom de Jésus, qui des affaires financières, l'avenir de cette famille, qui a été tout sa mise là.
Je détruis ce pouvoir satanique dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le 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 nom de Jésus. Noël, viens. Dans le nom de Jésus. Allez, viens là-bas. Voici le cadenas. Au nom de Jésus. Voici le cadenas. Et caméléon, on prend pour changer la vie des gens. C'est comme ça. Le caméléon, là, ça change la vie. C'est à cause de Dieu, sinon j'allais te faire manger ça. Voici le cadenas. Seigneur mon Dieu. Voici le cadenas. Seigneur mon Dieu. Monsieur, c'est vous qui avez fait ça? Hein? Hein? Je te demande, c'est vous qui avez fait ça? Vous avez parlé pour mettre la vie des enfants dedans. Je te vous demande. Ah, vous ne parlez pas? Ou bien on t'a obligé? Tu ne veux pas que je sois délivré? Hein? Tu as fait comment? Tu as mis le nom dedans, tu as fermé. Voici la clé même là-dessus. Ouais, allons-y. On a fini. On a fini l'opération. Ouais, il a fini. Moi, je suis un commandant. Quel chauffeur? Non, on a fini. Allons-y. Fais le signe alors. Quoi? 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 Il avait creusé déjà un trou ici. C'est ça, non, Jean-Marc? Oui. Voilà, il avait creusé un trou. Il avait mis un trou, il a pu la montrer. Ouais. Et maintenant, on a commencé à creuser. Quand Jean-Marc a nevé avec la truc, j'ai vu quelque chose bouger. Bouger en même temps. Voilà. J'étais vigilant, hein. J'étais vraiment vigilant. Quand quelque chose bouger en même temps. Il a commencé à fuir, il a passé la terre à... Au nom de Jésus. La terre se fermait dessus. Comment tu as mis? Combien il y a d'autres choses, les amis? Tu as creusé pour mettre là. C'est pour ça que tu as fait le trou là, non? Non, c'est pour ça que tu as mis ça dans le trou. Tous les nuits, tu parles pour les détruire. Tu parles ici, ça. Pour les détruire, pour ne pas avoir reçu. Tu les détruis. Maintenant, c'est vaincu au nom de Jésus. Vos pouvoirs sont vaincus. Faut parler, faut dire, je les laisse aujourd'hui, je lave l'air aujourd'hui. Ouais. Je lave l'air aujourd'hui. Ouais. Tous les mauvais que j'ai fait sur l'air. Je prends celui pour laver l'air. Ouais, laver. Laver mauvais que j'ai fait. Ouais. Que j'ai fait sur mes enfants. Ouais. Aujourd'hui là. Ouais. Je lave. Ouais. Ce qui est pas marié. Ce qui est marié. L'air marié que vous voulez gâter. Il n'a qu'à ranger aujourd'hui, il n'a qu'à se marier aujourd'hui. Mauvais, pourquoi que le mauvais va trouver? Ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui travaillent, tout ça là, c'est 11 les enfants. Il n'a qu'à tout ça qu'à réussir avec l'air maman. Ça fait 12. Il n'a qu'à l'air maman. Tout. Ce qui n'est pas là, ce qui est là, je lave l'air aujourd'hui, je coupe le corps. Au nom de Jésus-Christ, je coupe le corps, je coupe le lien. Tout ce que tu as fait sur eux, c'est ça? Le cardinal, là. Faut parler au cardinal parce que c'est toi qui le mets. Oui, c'est le démon. Je coupe le lien. Je coupe le lien. On peut m'en parler la nuance. Nous, pour m'en parler la nuance. Ok, allons-y. Amen. Aujourd'hui même, le fondement satanique démoniaque qui pesait sur l'avenir des enfants, nous venons de détruire ça au nom de Jésus-Christ. Voilà, libérons la vie de ces gens. Au nom de Jésus. Monsieur, allons-y. La brigade. C'est le même cardinal acheté là. Vous regardez.
C'est le même cadenas du brigadier. C'est le même cadenas. Le petit et le gros. C'est le. C'est le même cadenas. Ok. Ok, allons-y. Comment il met dans le papier? Moi, il m'en fout de ça. Non, moi, c'est mon travail. De Jésus. Je suis quitté à la veillée, mais il faut que je vous libère. Voilà. Il a bien préparé son coup. Moi, je touche. Moi, il y a dans le spirituel. Voilà. Non, de Jésus-Christ. On m'a secoué un peu, mais c'est passé. Il y a l'argent dedans. Qui a voulu? Vous voulez chercher l'argent? Mais non, où il y a l'aboutissement? Il n'y a pas l'argent. Monsieur? Voyez son trésor là qu'on a détruit, nous venons. C'est comme ça, nous, notre ministère, nous avons la source pour libérer les captifs. Voilà, donc c'est ça, nous allons au bout, jusqu'à la source. Si c'est cadenas, si c'est un canari, nous le libérons. Il dit quoi, le monsieur? Il dit quoi? Viens, viens, monsieur, viens. Il dit quoi? Ouais. C'est le même cadenas. Viens, 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 viens. Viens avec toi. C'est ça? Mmh, c'est ça. C'est le même. Mais ça, il est gros. Là, il est gros. C'est même. Lui, il est petit. Donc, toi, tu es dangereux. On y va. Ces œuvres sataniques. Je me mets toi les doigts comme ça. Voilà, demain, arrivé, il y a un. C'est un produit, ce qui est pour laver les mains. On ne prend pas. Monsieur, on a détruit le cadenas. Ouais, mange ta chose. Mange. Pardon. Pardon. Ça, là, tu dois manger en principe. Ouais, Ken, hein? Creuser un trou, et lui, il a déjà fait un trou, hein? Oui, il a fait un trou. Dis, c'est moi, c'est pour moi, mais je ne vais pas toucher. Pourquoi tu vas toucher? Pourquoi? Je ne vais pas toucher. Pourquoi? Tu as peur de ça aujourd'hui? Hein? Vas-y, tu connais la force qui est dedans. Si, quand tu fais ça, tu ne connais pas ça. Mais quand tu l'as fait, maintenant, tu le regrettes. Si tu fais ça. Tu sais que tu sais bon. Oh, ok, c'est pas bon. Quand tu as dit. Quand tu as dit. Tout le monde là, on fait ça. On peut dans la famille. Qui peut dans la famille? Ton truc, t'as fait ta famille. Comment tu fais? Viens ici, viens. Bien. Je dis, je prends pas. Aïe. Lui, je prends pas. Il a mis sa vie dedans. Comment il a mis ma vie dedans? Il a mis de la mort. Nous, quand c'est, on dit, tu as quelqu'un à ça, nous, on l'affronte. On ne le caresse pas. On ne met pas dans le jeûne et prier. On t'attaque. Amen. Donc, monsieur, vous avez, où vous voulez, vous avez mis dans le cadenas. Hein? Je comprends mon français. Bon, attendez. J'ai parlé français. J'ai mis dans le cadenas. Hein? Dans le cadenas. Vous comprenez bien son français, dit cadenas. Pourquoi? Je sens que je dis là, toujours, mais je pardon. Tout ça va, si je dis, mais si tu ça va faire. Ah, ok, maintenant je te comprends. Tu n'as pas mis de trop expliquer. Sinon, les gens vont s'énerver. Tu as déjà gâté. Je te pardonne. Et puis tu vas aller en élever. Très bien. Parce que moi, je fais comment? Tu crois que je peux enlever? Oui. Je peux enlever. Tu peux. Et toi-même, tu vas enlever? Tu vas. Moi? Je ne pourrais pas pour la moi, je n'ai pas son la force. Tu n'as pas son la force. Mais tu as son la force de gâter.
il n'a pas son enfance de prendre. Mais son enfance de gâter là, tu as ça. Elle n'est pas moi ou bien. Hein? Je vous pardonne. Sa famille devant ici. C'est le boulot le plus difficile, hein. Que je vais faire. Il y a plutôt la plus importante dans tout ce que je suis en train de faire. Parce que nous, souvent, quand on vient ici, c'est les dossiers. Nous ouvrons un dossier, ça fonctionne comme une brigade. Nous ouvrons un dossier et puis nous suivons le dossier selon l'inspiration de Dieu. Il y a des dossiers qui peuvent prendre du temps et il y a des dossiers à penser. Il ne suffit pas seulement. Monsieur. Il ne revient plus à suivre que ce qu'il a fait. Ok, on va aller. On va l'aider. Marpeu. Yedodo ale lunakala. Marpeu. Yedodo ale lunakala. Elie la cosia si waou. La gosia ziliwa. Elie la gosia ziliwa oule. La gosia ziliwa oule. En mettant la ligne, Dieu est plus fort. Il est plus fort que le petit juif. Il est plus fort que le pouvoir de la sorcellerie. Il y a une paix en toutes choses. Amen. Elie la gosia siliwa. La gosia siliwa. Elie la gosia siliwa. La gosia siliwa. Elie la gosia siliwa. La gosia siliwa. Elie la gosia le siliwa. La gosia siliwa. Ma peu. Yedo do wale luna kala kousi. Ma peu. Yedo do wale luna kala kousi. Elie la gosia siliwa. La gosia siliwa. Elie la gosia le siliwa. Amen. Voilà, donc il est maintenant notre fidèle. On a commencé à faire un travail et le Saint-Esprit prenant le temps de vous apaiser. Mais je pense que c'est le diable, comme il vient de le dire, qui l'a poussé à faire tout ça. Nous allons, avec l'aide du Saint-Esprit, aider le frère. Amen. Et puis aider en même temps la famille. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Monsieur Thomas, que toi debout. Amen. Que toi debout, Thomas, que toi debout. N'a pas debout. Ok, Seigneur, nous te bénissons et nous voulons te rendre toute ta gloire. Merci pour cette action. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons aller au village.
S'il ne veut pas venir, moi, il me déplace. Je ne suis pas là pour ça. Je mets en prière, les sorciers me vont tomber là-bas. C'est moi-même qui m'a les fait tomber. Je n'ai pas d'enfer de nom, prière, tout ça. Vous avez vécu un monstre, et est-ce qu'il en fait ça? C'est le même cardinal, là, mais ça sur sa porte. La même façon de cardinal, là. Tout ça, c'est sur la porte. Ça a fait de Dieu. Toi, on va au Cameroun. Oh, il y a longtemps, on a mis le fils. Tu t'en fais des non, 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 ici, quand ça fait de Dieu, c'est la différence. On parle sur eux, mais on les aime aussi. On va beaucoup crier, crier, mais après, on finit par s'attendre parce que c'est une âme à sauver. C'est ça, fait de Dieu. Dieu est venu pour les sales personnes dans le monde. C'est ça. Nous, ce qui nous intéresse, quand le sorcier vous garde, on dit, ah, notre sorcier a fait. Nous, où il vous a mis? Si c'est dans le Canada, si c'est dans la marmite, votre argent est où? C'est ça qui nous intéresse. Ça, il ne s'est pas détruit là. Vous êtes bloqué. Lui, il sait. Hein? Voilà, quand le Seigneur est venu vous ouvrir. J'acclame le Seigneur. J'acclame le Seigneur. Prends ta. Prends ma gueule. Prends ma gueule. Lui-même, on doit faire spaghetti et ça, pour le manger. Et elle parle dit, on appelle ça un spaghetti, ça là. On amène un spaghetti au restaurant. Puis, tu as mangé ta chose. Voilà, des faits. Vous savez, le pouvoir du caméléon, c'est d'échange. On troque, on échange d'abord. Puis on parle. C'est un petit, le plus terrible. Et les sorciers aiment bien ça. Il ne faut pas couper ton magueule là, ici. Non, tu as mangé. C'est ça là, tu as fait de ça. Vous voyez que dedans là, c'est moi ça souffre. Ça m'a pris. Pourquoi tu as fait de toucher avant? Monsieur. Hein? Pourquoi avant tu as fait de toucher? Tu vois, il y a la force dedans encore. Tu as fait de force qui était dedans là. Je vous demande. Tu avais peur de force qui était dedans là. Fais de ça. Prends de ça. Prends le cadenas. À partir d'aujourd'hui, toutes ces personnes, c'est ce monsieur, comment il appelle? Voilà, il vient de libérer. Nous détruisons à jamais le pouvoir de la sorcellerie sur la vie. Faut parler, toi-même, faut parler. Tiens, tout ce que tu avais bloqué dedans. Nous, on ne dit pas non, en esprit, au village. Nous, on va au village attaquer ça. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quand il finit de garder, c'est là il se rend compte qu'il attaque. Non, il faut les libérer. Non, mais on est en nous laisse. Mais on va dire aux gens. Ah non, putain, ah non, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, tous ceux qui l'ont gâté. Le travail. Et les plantations. Ils sont en France. Tout le monde qui donne, il restitue le travail de tout le monde. On est venu à la banque. C'est ce qu'il y a à la banque. La nomination qu'on devait lui donner, qu'il a cachée là. Qu'il a libéré aujourd'hui. Il est venu à la banque. C'est ma petite soeur qui s'est mariée en France avec son mari. Ils ont trois enfants, il les a séparés. Il est libéré aussi.
Il dit qu'il a coupé la corde avec laquelle il a attaché sa fille, qui a tout le temps mal au ventre. Celle qui est à côté, c'est son deuxième enfant qui est là. Elle a des douleurs au ventre. Sa soeur, il a libéré l'autre fille aussi qui s'appelle Prisca. Tous les projets de l'argent, tout est gâté. Ils ont tous le même problème. Négliger la sorcellerie, ne pas combattre la sorcellerie, c'est un grand danger. Essayez de dire au pasteur, vous prêchez, vous n'attaquez pas la sorcellerie, vous prêchez quoi? Vous faites quel travail? Tous ceux qui sont dans l'église sont attachés. La rentrée prochaine, que son fils l'abatte à l'école et qu'il réussisse. Celui à qui il a enlevé les choses pour l'intelligence. Et tous ceux qui n'ont pas cité, parce que nous sommes 12, hein. Avec maman. Et il nous bénit que partout là où on est, qu'on évolue et là, qu'on Depuis quand vous êtes là? Depuis vendredi. Merci. Vous venez d'où? Ayamé. Vous te souhaitez Ayamé qu'on prend votre délivrance ici, ça prend toute la Côte d'Ivoire. Un dernier temps qu'on a délivré ici, ça a pris toute la Côte d'Ivoire. Viens ici. C'est ton papa. Le sorcier. Il fait quoi? Soit j'ai fait. Hein? Je ne vois pas. Elle est là. Je ne vois pas.
Tu peux sortir de l'église. T'as fait quoi? Hein? Viens ici. Eh, hey, on dit pas on fait des ça, hein? Ce sujet-là, quand on aborde ça devant moi, on ne met pas cap, on dit pas ça. C'est un sujet où on ne présente pas ça. Voilà, là. Je te dis le principe. On est démarré. J'avais fait quoi? Hmm? C'est depuis quand tu es sorcier? Hein? Tu avais quel âge que tu es sorcier? Maintenant, tu as quel âge? Hein? Excusez-moi, c'est Saint-Denis qui attendait. T'es déjà vieille. 16 ans, celle-là, 17 ans. Renaud, sérieux. Hein? Vous connaissez 16 ans d'Afrique. Vous connaissez 16 ans. Ça, c'est pas l'Europe, c'est ici, nos zones sont dures. Elle est dans la vingtaine, elle est dans la vingtaine, elle ne peut pas dans la vingtaine. Tu es son moment, tu connais pas son âge. C'est pas normal que tu aies un enfant. Comment on l'a retrouvé ici? Comment? Comment tu as entendu parler? Comment tu as entendu? Depuis quand vous avez su qu'elle était sorcière? Il y a longtemps, ça date, hein? Ça date depuis. Elle a tué sa mère, même elle-même, elle a voulu ça. Non. Laisse-la. Laisse-la. Je te la laisse. Oui. Depuis quand vous avez su qu'elle est sorcière? Ça fait 3 mois maintenant. 3 mois. Oui. Comment vous avez su ça avant de l'envoyer? Oui. Souvent les gens pensent que nous avons fait les montagnes. Non, il y a des gens qui disent ça pour nous gâter. Ouais, parce qu'ils veulent saluer notre image. Or, c'est vous qui êtes venu ici, moi je ne vous connais pas. J'avais oublié de venir ici parce que vous savez qu'ils sont plus la délivrer, n'est-ce pas? Oui, c'est depuis quand? Ça fait 3 mois. Comment vous avez su ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, monsieur, laisse-moi faire mon travail. Si je vous pose la question, c'est que vous êtes convaincu que ça fait 3 mois. Qu'est-ce qu'elle a dit pour convaincre les sorcières? Parce qu'elle a tué sa mère. Et puis elle vous a dit, ça fait 3 ans que sa mère, 3 mois que sa mère est morte? C'est depuis 2014. Elle dit 3 ans ou 3 mois? 3 mois. C'est 3 mois que tu as su qu'elle est sorcière. 3 ans ou 3 mois? 3 ans. C'est 3 ans ou 3 mois? 3 ans. Non, elle dit, c'est 3 mois ou 3 ans. Ouais. C'est moi qui ai dit 3 mois. C'est 3 mois qu'elle a tué sa mère. Oui, c'est la tuer sa fille. Mais toi, tu as su ça, ça fait combien de mois? 3 mois. Ça fait 3 mois. Comment tu as su ça? Elle est tombée en France. Ça se fait qu'elle est tombée en France. Et la soeur est où? Elle est là-bas. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que c'est sa soeur qui a tué la mère. So depuis quand tu es sorcière? Tu es né avec ça, il faut laisser après. Tu es né à la sorcellerie. Tu vas venir tout de suite. C'est ça? Hein? Tu veux délivrer? Est-ce que je suis frère blanc? Ah, moi tu délivres! Ce qui est vilain en toi, on va enlever ça. Ou bien? Mais pourquoi tu es là quand tu vas venir à la sorcellerie? Hein? Il n'a qu'à te montrer son corps, tu vas voir. Tu as bien vu, non? Tu as bien sur toi. Ah! Il dit, hein, c'est pas ça? Si elle cherche là, ça va venir. Elle va voir, elle va voir. Elle a mis sur ton orange. Hein? Lui, mais l'a vu. Ça s'amuse pas à ça. Tu es né à ça? Madame! Ah non, c'est bien. C'est pas mon temps de travail. Hein. T'es né avec. Si. Tu es là, là, c'est ce que tu es. Tu trembles. Non, laissez-moi faire mon travail, monsieur. Hein? Vous n'avez pas de quoi? Vous n'êtes pas serein, il y a quoi? C'est comme si c'est beau. Quand je pose une question, il faut me répondre. Parce que vous êtes nombreux ici. Vous dites de ne pas travailler. J'ai la commission de te prendre. C'est une grâce.
Donc allons-y, vite, vite. Si tu ne continues pas, je stoppe, puis je m'en vais. Tu es né avec. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que moi, je ne suis pas basé sur une révélation pour te parler. Je vais te délivrer. Maintenant, toi, tu dois avouer ce que tu as fait. Hein? Bon, tu as gardé la famille. Quand on dit la famille, c'est vaste. Hein? Ici, c'est comme ça. Hein? Tu vas dire ce que tu as gâté dans la famille. Quand il a gâté le mari de ma soeur. Attends, tu dis que tu as gâté le travail de ton frère. Comment il s'appelle? Claude. Son nom, il est français. Claude quoi? Laurent Claude. Hein? Laurent Claude. Comment tu as gâté? Je vais être docteur. Il devait être docteur. Et tu as gâté ça. Comment tu as gâté? Tu as baissé sa peau. Comment tu as fait? Hein? Pointe mystique. Quand vous la voyez, ça a écrit sorcier ici. Vous savez que maintenant il faut avoir peur. T'allais draguer une femme. Tu la mets dans la chambre. Tu vas essayer une chérie. Oh, c'est elle qui va monter sur toi. Ah, maintenant c'est comme ça, c'est l'inverse. Jamais dit j'ai une femme. Ok, moi il dit chercher. Ah, c'est comme ça, hein. Il y a une femme qui a donné coco à tous les garçons du village. Et pour nous, quand le monsieur finit là, il a un coco qui sort dans la nuit. La fille dit c'est moi qui fait ça. Vous n'avez pas dit chercher quatre femmes. Toutes les femmes qui passent, là, vos yeux sont là-dessus. Comme si vous travaillez à la CIU, vos yeux brillent seulement. Hein? Tu as perdu, tu as gâté sa main. Après des sociétés, après comme vous regardez, vous regardez, on passe comme ça. Hein? On regarde plus à gauche, à droite. On va tout droit. Et ton métier, c'est là, t'es mangé. Mais c'est ça, les gars sont. Tu dors à une sorcière. Pendant que tu dors, chérie, elle est dans ta poitrine, comment manger ton cœur, intestin. Elle sort tomate. Oui. T'as gâté quoi? Son travail. Ma grand-sœur aussi. Comment on appelle Logan Nina? Comment? Elle aussi a gâté son mariage. Ton mariage, comment? Comment tu as fait? C'est une sorcière. Ah, tu mens, tu couches avec elle. C'est ta femme, c'est ça? Hein? Quand quelqu'un dit la gâtée, mariage, c'est que la femme est sa femme. On connaît ce principe-là. Bientôt mon livre va sortir. Ça m'a beaucoup aidé à voyager, j'écris beaucoup. Merci Espagne. J'écris les cartes. Je dois me combattre sur moi pour que le livre ne sort pas. Mais ça va sortir. Ça va vous aider. Oui, ça va vous aider. Les secrets. Si tu finis de lire le livre, tu peux m'arracher la vue. Ils avaient un sorcier. Même les blancs, même s'ils lisent le livre, seront conversés. Parce que le débat de la société, les blancs, ne vous laissez pas distraire. Non. Si un blanc aborde ça, il faut dire, bon, vous connaissez la chasse aux sorciers? S'il dit oui, demande les blancs, qui a fait la chasse aux sorciers? C'est les blancs, n'est-ce pas? Donc, ils ont fait chasse là, comme ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont tué les gens innocents. Posez-les la question. Parce que vous avez la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières. Maintenant, vous ne croyez pas que ça existe. Pendant 3 siècles. Donc dites aux blancs, le débat là, nous, c'est clos. Faut pas vous allez nous jouer, nous, et puis vous allez nous berner. C'est vous qui avez tué les sorciers. Pendant 3 siècles. Donc eux, le débat avec moi, là, c'est pas, il n'y a pas de débat. Moi et les blancs, il n'y a pas. Ce sujet-là, on ne peut pas même pas. Quand ils poussent un pion, ils poussent 1000. Ça va? Comment tu as fait? Tu couches avec elle? Tu as quel problème? Tu as kiki alors? Hein? Hey, tu parles ou bien comment? Comment tu fais? Hein? Il y a quand tu as monté comment tu lèves, comment tu vas, comment tu te déshabilles, c'est comment tu veux faire. C'est film X, tu es en train de tout lobby. Comment tu fais? Parle fort ou bien?
quoi? Ne me touche pas mon garçon. Tu n'as pas compris, hein? Oui, ne me touche pas mon garçon. Et qu'est-ce qui se passe? Tu ne me touche pas mon garçon. Mon mère couchait avec une autre. Hein? Mon mère couchait avec elle. Quand tu t'entends un garçon, elle dit quoi? Oui, il fait un garçon. Comment? Je n'ai pas une vieillard au bus. Comment tu es garçon? C'est la vieille mot. Qu'est-ce qui fait que tu es garçon? C'est qui mais? On a dit ça. C'est la différence. Donc tu as Kiki. Tu n'es pas l'oublier. Comment ça vient? Hein? Comment tu fais? Comment on fait? Vous voyez, non, c'est le même mode de fonction. Tu fais comment? Comment? C'est comme ça. Comment? Comme ça. Et puis ça fait quoi? Vers où? Devant où? Et on peut parler fort. Comment tu fais? Et puis, ça sort comment? Machine. C'est long, c'est court. C'est long. Hein? Hein? Comment sorcier son truc est court? Ben, c'est pour jouer les gens. Et puis quand Kiki est sorcier, il va les bouger. Sorcier, il va te faire sourire. Tu n'as pas été parlé? Oui, papa. Salut. Vous l'avez envoyé quand? Le dimanche. Hein? Nous, on est venu le vendredi, mais elle est venue le dimanche matin. Et pourquoi vous l'avez laissé tout le temps? Bon, quand vous étiez en absence là. Non, mais quand je passe moi, j'ai déplié parce que les gens ont déjà. Tu vois ton ameçon là. Et quand tu vois la chance des gens sur la tête, tu jettes ton ameçon, tu prends, tu avales. Elle a ameçon mystique. Qu'un roi. Parce que vous savez, je vous dis une chose, hein. L'homme est caractérisé par une étoile. Il sentit. Et il sait. Donc elle a ameçon mystique. Il suffit de jeter sa tête et puis elle récupère, elle avale. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Mais où c'est? Où c'est? Hein? Tu as caché ça ou tu as dit tête? Si tu es tête, tu as dit ça. Où c'est? Va t'asseoir. Va t'asseoir, allez. Tu n'es pas une haine. Tu n'es pas d'accord. On te fera souviens. Pourquoi tu prends ici là, c'est facile comme ça? Va t'asseoir. Tu as tué combien de personnes? Tu es malade ou bien, 53 ou 3? 53 ou 3? 53 ou 3? Hein? On ne crie pas, c'est quoi une fois? C'est petit. Et 500 et 1000. On n'a pas trop mangé. Hein? Tu veux être délivré? Comment t'as tué ta maman? J'ai tué ma maman. Il a donné la maladie. Hein? Maladie, je suis en jeu. Hein? Tu es en jeu. Comment tu l'as tué? C'est en jeu. M'explique! Non, tu as voulu donner à manger la sorcellerie à ta maman. C'est ce qui l'a tué. N'est-ce pas? Attends. Il m'a dit de parler. Ah, mais je ne sais pas comment tu es. Quelle est comme ça tu forces? On a fait un film ou bien? Non. Tu mets moins? Non, papa. Faut bien me regarder. Hein. Faut tourner tes yeux de sorcellerie là. Faut t'apaiser. Tu m'as dit de faire comme tu choisis. Sinon, les dieux des sorciers t'ont voulu prendre. Faut faire attention. Hein. Et tu fais casser chaise.
suis venu t'aider, il faut te maîtriser. Tu ne m'aimes pas, donc il faut aller blé-blé. Nous on dit blé-blé. Comment tu as tué ta maman? Tu connais ta force mystique, c'est sûr, une petite force bizarre. Tu sais quel sorcier est rencontré en Côte d'Ivoire ici? Tu parles pas où est ta voix là, ta voix où? Quand vous faites des conneries, parce qu'on n'avait pas vous attrapé un jour. Il vient de nous dire, il vient quand manger. Il a dit manger. Même quand il est forcé pour le tuer. Il est forcé pour le tuer. Tu as gâté le sperme de 4 personnes dans un bol pour les tuer. Le sperme des 4 garçons. Tu peux me dire le nom des 4 garçons? Il y a Claude. Claude c'est qui? Mon grand frère. Oui, vas-y. Il y a Cos. Antoine Simon. Oui. Et puis Roger. Oui. Claude, mais je suis poste. Comment tu as pris le sperme? Comment tu as recueilli le sperme? Il m'a mis sur le coup de tir. Et tir pour moi, quelque part. Quelque part, c'est où? Dans une boîte, c'est ça? Oui. C'était pourquoi? Pourquoi pas qu'il va se marier? Pour les tuer aussi, c'est ça? Oui. Tu vois que je te connais mieux, non? Oui. Tu peux t'asseoir. Le pasteur va poursuivre la rencontre. Amen. Amen. Laisse-moi me reposer un peu. On va poursuivre. C'est une dangereuse. Hein? Elle est très, très, très dangereuse. Tu as fait tomber combien de bus à Abidjan? 3 bus. C'est ça? La fête, il y a tombé 3 bus à Abidjan. Ok. Elle n'a pas dit. Elle sait. Elle sait ce qu'il me dit, c'est vrai? Hein? Hein? Tu as fait la volonté de Dieu. Maintenant, après, tu étais là, tu parlais pas. Tu parles quand on ne te connaît pas. De 1h du matin, je me suis réveillé. J'étais en pleine prière. Dans le rêve, Dieu me réveille pour dire qu'il y a une attaque mystique au niveau du centre. Et donc, j'ai prié toute la nuit. Toute la nuit. J'ai commencé à me reposer à partir de 4h. Et puis, je suis réveillé en sursaut parce que je voyais ce qui se passait au niveau du centre. Tous les esprits, la sorcellerie d'Agban venait. Toi, tu sais que les gens sont venus hier pour attaquer. Ils voulaient rentrer, n'est-ce pas? Non, je te demande. Exactement, j'ai parlé de tonton. Hein? Tu sais que tes éléments, comme depuis que j'ai arraché les aveugles, les gens sont venus ici. Ils n'ont pas pu rentrer, mais on laissait un petit ici. Hein? Viens ici. Venez. C'est la tête d'un chat. C'est ça, non? C'est la tête d'un chat, non? C'est toi qui demande, mets toi devant. C'est la tête d'un chat, c'est ça? Viens ici. Allez, enlevez l'enfant de sa mère. Moi, là, je suis là-bas, mon esprit ici. Hein. L'escalade de sang. Sans moi, quand il est venu matin, il est mort. Viens. Viens prendre ça. Oui, si, si. Mets ta main là, maintenant. Allô? Seigneur Jésus, massacre. Non, l'habitude à ça. Allez, mets-toi là. Pauvre. Où ça? Non, habitué à ça, c'est vous qui ne savez pas.
Les sorciers ne savent pas. Je vous ai bien dit. Je vous ai bien dit. Le don là, Dieu m'a donné. Je vous ai dit ça hier là, c'est pas de l'amusement. Donc hier, je l'ai arraché les aveux là. Parce qu'elle provoque des accidents à Abidjan. Tu vois? Donc elle a une confrérie. Elle a une confrérie de grands sorciers. Donc la nuit là, la confrérie est venue détruire. Ils voulaient forcément détruire, tuer les gens, ils n'ont pas pu. Mais ils ont gardé un truc comme ça. Quand je rentre, ça puisse m'attaquer de loin. Et ça, je suis habitué à ça. Allez, ça, vite, vite. Je suis habitué à ça. Eh, hey, moi, Dieu m'a appelé là. Vous ne pouvez pas me tuer, hein. D'ailleurs, je vais descendre dans le village d'Agban. Allez, chape, 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 chape. Je vais te faire manger la tête là, tout chute. Allez, ça. Eh, hey, monsieur. C'est quoi ça? Prends la tête là. C'est pourquoi? Tes gens là, ils sont venus là, c'est pourquoi quoi? Les gens quoi? Les gens disent, pourquoi ils sont venus parler? Hein? Bon, comme je vais parler là. Montre ça bien. Ils vont venir fatiguer. Tu es le prophète, moi, tu as dit, hé, hé, faut te dire les choses sont claires. Faut dire les choses. Moi, je ne vais pas souvent le matin comme ça. Hein. Je suis fatigué. Je viens de l'Europe, je suis fatigué. Toute la nuit, là, le Seigneur dit, ne dors pas. Bon, naturellement, j'ai l'habitude de prier la nuit. Mais cette fois-ci, là, ça m'a secoué. Depuis 1h du matin, je suis en prière. Mais c'est quelque chose, un événement de terrible qui s'est passé ici. Un homme, quelqu'un allait mourir, quelque chose. Ils n'ont pas pu atteindre ça. Donc, c'est le pouvoir, ils sont venus mettre ça ici. Pour que... Ils ont bien caché. Or, souvent, ils ont l'habitude de mettre devant ici. Souvent, ils ont l'habitude de mettre devant. Souvent, ils ont l'habitude de mettre devant ici. Mais, ils sont allés cacher. Mais tout le coin ici, c'était tétanisé, hein, c'est-à-dire qu'il y avait pouvoir. Nous qui avons le don, nous savons. Voilà, nous savons. Donc, je ne pouvais pas. Voilà. Tu as vu? Il fallait que je maîtrise la situation qui vient. Comment s'est passé? 7 minutes, 7 minutes. 7 minutes. Explique. Tu donnais quoi? Parle bien. Pourquoi monsieur qui est passé dans mon village? Mais quoi, c'est ça? Oui. Dans mon village pour venir ici. Hein? Et il voulait qu'il reste dans mon village là-bas. Je suis venu. Comme ça, tu as tué les gens. Je suis venu pour ça. Mais pourquoi moi j'ai décidé de venir à l'église ici? Pour bien te dévoiler. J'ai dit non, que tu me cherches ma dévoilance. Je ne peux pas ici quitter la dessus de venir. Donc tout à coup, les gars disent non, comme il a dévoilé la sécurité, ils vont venir en sortir, le coin. Ils vont coucher ça. Ils vont cacher ça derrière là-bas. Et un, le prophète est celui-là. Le prophète, hein? Le prophète est celui-là. Le prophète, même s'il y a pasteur, il y a prophète. Le prophète, il voit clair. Pasteur, il se débrouille pour voir clair. C'est pas la même chose. Le prophète, il est fort. Il est fort. Donc, pour le gâter. Non. J'ai accepté ça, quoi, comme le gâter. Montre bien la tête, là. La tête d'un chat, non? Oh, le pouvoir du chat, il est très dangereux. C'est comme... Le pouvoir des chats, nous le savons, c'est les snipers. Ils disent quoi, viens. Ils disent quoi? J'ai posé les grandes questions. Parce que hier, il a commencé, il me suppose, non? Ils disent, mais comment on va faire sortir les grands secrets maintenant? Il faut qu'on me tue. On me tue. Attends. Toi, tu sais qu'on doit tuer quelqu'un. Tu as bien dû attendre une personne. Tu dois pas être tes parents. Oui. Je t'ai trouvé où tout à l'heure? Devant. Tu n'as pas dit à tes parents? Hein? Je suis encore là. Attends, vous laissez. Faut pas jouer ma vie. Hein. S'il te plaît. Faut pas jouer ma vie, hein. Doucement. Parce que c'est ma vie qui est en jeu là. Donc tu veux que je meure? Non, tu veux qu'il meure? Non, papa, je veux que tu me délivres. Délivrer. Moi, j'ai mouru, tu n'as qu'à te délivrer. Oh, tu sais ce qui se passe.
Moi, je suis venu vite, je suis venu là. Ceux qui se brossaient là, ils m'ont vu. Je suis allé parler en même temps. Parler, il ne faudrait pas que je suis allé parler au petit bout, parler. Je suis rentré dans la boue. C'est le bon géo. Donc, quand on te dit fétiche sous la tête, c'est comme ça. Chaque jour, chaque année, chaque 3 mois, chaque 4 mois, vous venez quelque chose pour me tuer. C'est ça la légende date, mon nom. Ah, le problème là, il n'y a pas des sorciers, ça va. Quand tu attaques la sorcellerie, il t'attaque chaque jour. Tu as fait tomber 3 bus à Abidjan, c'est ça? Donc, toi, ton travail, c'est faire tomber les bus, manger les gens. Comme toi, tu es la grande sorcière. Tu es venu ici, tu as commencé à parler, ils disent qu'on n'a plus parlé. Tu as, comme je te pose trop de questions, c'est ça? Donc. Donc, faut pas ça se déranger. Donc, ils ont dit qu'ils vont venir me tuer. Monte bien la tête là. J'ai envie de faire manger la tête là. Il y a pardon à ça. Si j'étais mort là. Ah, tu es pas mort. Donc vous essayez là, c'est pour vous essayer. Le pouvoir de chat. Vous connaissez là ici, tout le monde connaît le pouvoir de chat. On a 5 ça. Tout le monde connaît le pouvoir de chat, il est dangereux. Le chat loue pas. Et donc c'est ça. Vous allez le faire tuer. Vous allez le tuer. Mais tu as dit non, ils sont venus déposer. Faut dire la vérité claire. Ben, je sais ce qui se passe. Je suis pas en train de m'amuser. Je sais ce qui se passe. Je suis fatigué tant de. Et puis j'ai commencé à pleurer toute la nuit. Après ça, aujourd'hui, je ne mettais pas les pieds. C'est à cause de la retraite de demain. J'ai une retraite de meubles. J'ai dit, je ne mettais pas mes pieds pour préparer la retraite. Et comme ça, toi, tu es venu détruire le centre. C'est ça? Hein? Allez, venez nous détruire, cadeau. Allez, on a la poule là-bas. Ne mangez pas. Il y a Cori même au milieu, en bas là même. Tout ça y va. Allez, Cori là-bas. Allez. Hein? Elle va s'asseoir même, jusqu'à ce qu'il y arrive. Laisse ça là. Retourne là. D'accord. Qu'est-ce que t'as fait sur ton papa? Ton papa la main, t'as fait quoi sur lui? À côté. Eh, hey, faut parler. À côté. Hein. Matin là, faut parler. Faut parler matin. Hein. T'as fait quoi sur ton papa? Maladie. Hein? Maladie. T'es maladie. Hein? Tu parles pour moi, tu parles pas? Non, t'as pas, t'as de la main. Non, vous êtes la sauce. On va te manger tout de suite. Tu vas la taper. Tu es qui? Vas-y, à te manger sauce claire. C'est pas clair, c'est clair, là, c'est rapide. Eddy, tu as fait quoi ton père? Vous avez les mains, le pied? C'est le pied. C'est beau ça? Ok mon prophète, ça fait presque 8 mois, je n'arrive même pas à marcher. 8 mois, vous n'arrivez pas à marcher. Depuis que je l'ai paralysé. Le premier jour, j'ai fait quoi ici. C'est fini. C'est fini. Oui, ça commence à aller. Ça peut, comment ça fait aussi. Eh bien, explique. Eh, hein? Parle bien, on va te délivrer. Vous avez coupé son pied pour manger. Vous avez coupé le pied. Vous avez suspendu sur une corde là-bas. Et pourquoi? Il a coupé le tâche. Hein? Le tâche. Qui ne doit pas inviter de qui? Mon frère, ça commence à se faire. Ouais. Comme ça, fait le tâche. Ok. Vous avez un problème d'héritage? Oui. Hein? Un problème. Comment ça se passe? Bah, notre père a laissé une foule. Hein. Mmh. Donc, nos soeurs veulent vraiment être au-dessus de nous qui sommes les garçons.
Alors moi, le problème d'argent, moi je l'ai dit, ça ne m'intéresse même pas, mais je ne sais pas comment. Elle avait mal livré à ma soeur. Et le pied a commencé à me faire mal. Pour rien comme ça. Je souffre nuit et jour. Mais le vendredi, si j'arrive ici, on ne professe pas que je mens. J'ai commencé à sentir même, moi on appelle ça la guérison, voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Ça a mené une acclamation au Seigneur. Hein. Je ne voulais pas venir, c'est celle-là qui a insisté, viens. Je dis, mais, donc allons, c'est une question de confiance. Je m'en vais. D'ailleurs, garde mon nom cadeau. Oh, tout ce qui est mystique, là, je suis avec ça. On dit va voir un spécialiste. Les blancs, quand tu es malade, on dit va voir un spécialiste. Nous, on est spécialisés dedans. Hein. Les gens, ils sont à Abidjan, ils sont dans les capitales, nous, on a Divo. Toute la région, c'est des grands sorciers. Ils m'ont essayé ici à Iré. Ils m'ont essayé ici à Divo. Même. Ils sont venus de Iti. Ils m'ont essayé. Ils sont venus de Lakota, ils ont essayé. Ça n'a pas marché. Donc, toi, tu es venu quoi? Tu as mis les pratiques mystiques pour nous détruire, c'est ça? C'est ça? C'est ça? Ah non, tu ne voulais pas faire des délivrances? Non, non, je ne savais même pas. Que? Je ne savais pas qu'ils étaient ici. Donc, mon frère avait demandé les nappes là. Il a dit non, ah, mon frère me fait visite. Donc, il venait même, il va même empêcher de venir. Ah, donc, ils t'ont suivi, c'est ça? Ils sont venus en force, mais. Non, force, mon oncle là. Oui, oui, non. Il est reçu. Même ma camarade dit qu'elle n'a pas encore fini de ce qu'on dit en français même. Il dédie tout ce qu'il fait. Ah, mais est-ce qu'on a dit qu'elle a fini? Toi-même, là, si toi, on t'a dit hier, elle a fini. Mais toi, est-ce qu'on t'a dit là, ça, c'est fini? C'est pas fini. C'est pas ça qu'on appelle aveu. Est-ce qu'elle a dit le nom? Est-ce qu'elle a, elle a fini? Elle a dit juste un peu. C'est parce qu'elle devait dire tout. Et le pouvoir mystique de la sorcellerie, le temps là. Je vais demander à m'attaquer. Vous êtes dangereux, hein, c'est ça? Hein? Je suis ici là. Mon esprit, Dieu m'envoie voir des choses ici. Hein. Tu fais ta tête comme ça. Hein? Je parlais ça fait de Jésus. Hein. Sinon, tu allais manger ça le matin. Ah, tu allais manger ça le matin. Hein. Tu m'as loupé, non, tu ne loupes pas. Hein. C'est parce que c'est l'amour de Christ. Hein. C'est ma vie, c'est ma vie, vous voulez jouer. Je vous dérange, c'est ça. Je te dérange pas comment? Je te dérange pas comment? Je te dérange pas comment? Eh, d'abord, tu voulais être béni. On t'a dit, on t'a forcé, vous venez. Mais c'est sans nous forcer, là. Si tu savais, tu allais faire tomber les cas. Comme la vieille gourou, elle a fait tomber Massa. Elle trimballe le là, le monsieur est très mal, la vieux gourou là ici, pour dire, mais je viens te délivrer sur le prophète. Ma sœur est tombée dans la bouche. Lui qui envoie la sorcière, elle est malade, elle est blessée. La sorcière, elle est sortie. Sans. Yeah, vous avez fini le trafic, hein. Merci là, c'est vrai, merci. Non, ici il n'y a plus flèche. Quand tu veux flèche, ça ressort. Ici, là, c'est consacré. On a consacré le sang. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu. Sinon, le petit, c'est dans la course à l'être. Donc, tu allais me tuer. Tu allais me tuer maintenant. Stop. Sorcier à sentiment. Sorcier à sentiment. Hein? Sorcier à sentiment. Hein? Tu as fait quoi dans ta sorcellerie? Tu viens d'où? Quel agba? Vous avez combien? Vous avez, vos groupes là, c'est combien de personnes? C'est là que tu n'as pas vous l'a dit. Dans la sorcellerie là-bas. Là. Vous êtes combien dans vos sorcelleries? Hein? Ça veut dire? Oui, ça veut dire le nombre, c'est combien? Vous savez? Toi, dans ta sorcellerie, là,
Vous êtes 16 personnes, toi dans ta sorcellerie. Vous êtes 16. Toi, ta sorcellerie dans laquelle vous êtes, c'est 16. Il faut laisser ces histoires de calcul bizarres que tu fais là. C'est 16 personnes. C'est fait ou pas? Hein? Hein? Ça a déjà fait tomber 3 bus à Abidjan déjà? Hein? Tu prends le sperme des gens, tu gâtes leur vie, tu les tues, c'est ça? Tu as déjà tué 53 personnes, c'est ça? Hein? Il y a 5 personnes. Je vais me donner le nom là tout à l'heure. Même d'après ça? Les sorciers, le nom des gens là, ils vont lutter toi. Parce que dans la confrérie, quand tu attrapes, tu ne dois pas dire le nom de quelqu'un. C'est toi qu'on a attrapé, c'est pour toi que tu dois dire. Malheur pour toi si tu dis mon nom. Stop. Vous êtes fâché parce que je t'ai attrapé. Qui tue les gens là-bas dans les 16 là? Hein? Non, c'est elle qui envoie, c'est toi qui exécute. C'est toi qui exécute. Donc tu as un élément très important qui est au centre ici. Tu as un élément important pour le centre. C'est pas toi qui parle. Toujours quand. Vous avez su qu'elle était sortie, ça fait combien de temps? 3 mois. 3 mois. Elle a fait des aveux. Vous dites qu'elle a tué sa maman. Elle a tué sa maman, elle a dit que c'est avec la fille d'Ontario. J'étais avec elle dans le salon. Ça fait 47 ans ensemble. Elle était dans le salon. Elle m'a dit qu'elle va uriner. Et puis c'est fini. Elle dit qu'elle va uriner, elle est rentrée. J'étais devant la porte, ma fille m'appelle, la grande là. Papa, papa, viens, je vais, ma femme est décédée de ma mère. Et on lui demande, sa soeur est tombée en transe. Léonie, c'est toi qui as tout quoi? Léonie. Et elle a dit la vérité que c'était avec la corde, la série et tout ça. J'ai 14 enfants, il y a 3 qui sont décédés. Et c'est puis, la sorcière même, je ne sais pas. Non, Dieu merci. Et vous ne voulez pas qu'on combat les sorciers? Ouais, les crimes que les sorciers causent dans les familles, et les gens ne veulent pas qu'on les combatte. Quand tu es combat, le prophète Crasso me combat. Comment on peut combattre un homme qui délivre les gens de la sorcellerie? Comment on peut me combattre? Tu as tué ta maman? Oui, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes effectivement à cette date aujourd'hui, le mercredi 7 septembre 2016. Nous nous apprêtons, n'est-ce pas, pour commencer une retraite spirituelle à partir de demain, 8. Demain, jeudi 8, jusqu'au dimanche 11. Dimanche 11 septembre. Voilà, donc cette fille, comment t'appelles? Hein? Voilà, cette fille, elle a fait des aveux hier. Elle est venue d'où là? À Agba Village. Donc on l'a envoyé comme d'habitude. Les gens envoient des sorciers pour se faire délivrer. C'est la brigade anti-sorcier. Nous prenons le soin de faire passer les sorciers aux aveux et en mettant les délivrants. Mais nous savons aussi qu'en délivrant un sorcier, il fait partie d'une confrérie. Donc, et quand un élément épinglé de la sorcellerie épinglé, vous savez, en même temps, nous sommes même menacés, mais comme nous avons Jésus-Christ, selon la Bible nous dit dans Luc 10, verset 19, et nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra nous nuire. Et c'est cette parole que nous accrochons et que nous sommes convaincus que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Voilà, nous, notre ministère consiste au dévoilement et la destruction des œufs de la sorcellerie. Pour nous, ce n'est pas de la plus près. Il faut faire reculer le royaume des ténèbres et imposer la Seigneurie de Jésus-Christ dans les vies et dans les familles. Parce qu'aujourd'hui, le mal cruel, comme j'ai l'habitude de dire, de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Donc elle a fait des aveux hier, et là, je n'étais pas en plein boulot, je commençais déjà le travail. Et ces petits aveux, en fait, elle a commencé, ce n'est pas des petits aveux, excusez-moi, elle a commencé ses aveux, on n'avait pas fini ses aveux. Donc, comme un élément très important de la confrérie, il fallait vraiment éliminer le prophète. Donc il y a eu des pratiques qui sont passées cette nuit-là. Et depuis ma maison, déjà vers 1h du matin, je suis déjà debout pour la prière. Donc j'avais déjà scanné, parce que c'est le don que j'ai reçu de la part du Seigneur. Il fallait venir, n'est-ce pas, démasquer la chose, parce que ça devait d'abord, ils avaient programmé détruire des éléments de notre ministère, et après ça, attaquer le prophète que je suis. Et par la grâce de Dieu, ça a été, tout a été démasqué, dévoilé, détruit par la grâce de Dieu. Donc nous allons brûler leur pouvoir satanique et démoniaque, afin que la gloire revienne au Seigneur. Donc vous avez toute une confrérie là-bas, c'est ça? Tu as tout un groupe là-bas. Ils ne sont pas d'accord avec le fait que tu sois ici, c'est ça? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Non. Et comment vous allez? Ils ont fait quoi? Non, c'est pour ça. Ils ont attaché ça. Ils ont fait quoi? Ils ont attaché la tête de Charles pour venir te poser. Et pour quoi? Pour nous dire
papy, tu es là pour délivrer les sorciers seulement. Donc tu déranges les royaumes là, sinon ça ne les prend pas. Monsieur, on t'en parle. Tu fais quoi? Je ne dis pas que tu es là pour déranger les sorciers seulement, ou les parler, donc ça ne les plaît pas. Quand c'est comme ça, les royaumes se gâtent. Ils n'ont plus le pouvoir de faire ce qu'ils peuvent faire. Donc ils ne sont pas d'accord mon travail. Donc toi, partout où ils passent chez les pasteurs, les autres pasteurs, hein, et toi, pour faire pas la même chose. Donc c'est si toi, ils ont des vieux, pour que par rapport aux autres pasteurs, tout font la prière. Donc toi, tu es venu ici, toi, tu étais là-bas, et puis ton frère venu ici. C'est ce que je suis en train de dire. Comme tu as commencé à parler, tu as tué beaucoup de gens, c'est ça? Papa, j'ai commencé à parler là, je n'avais pas tout là-bas. Voilà, c'est ça. Donc, les gars ne voulaient pas que je parle. Une enfant qui est élevée ici même, les gars ne voulaient pas que je parle. Donc quand ils sont arrivés, ils ont commencé à dévoiler les plans. Là-bas, il y avait le feu là-bas, mais tu l'as dérangé. Donc ça, ils sont venus hier nuit pour déposer ça. Avec ton accord? Et tu t'es d'accord avec ça? Oui, papa, on est pas où. Tu t'es d'accord? Tu penses à l'air que le prophète allait mourir, c'est ça? Pourquoi pardon? Pourquoi? Comment vous l'avez ramené ici la fille? C'est important de répondre l'histoire et tout ça. Oui, bon, comme je suis l'employé de frère à monsieur, donc comme ça j'ai vu que mon tonton était malade. C'est comme ça que je l'ai fait aussi. Mon tonton était malade, j'ai vu que vraiment sa maladie n'était pas une maladie d'hôpital. Et comme ça, j'ai dit, bon, je vais l'emmener ici. Comme je suis déjà venue ici, j'ai vu votre œuvre sur les gens. J'ai dit, bon, je vais l'emmener ici, comme ça, il sera délivré. Et par la suite, l'emmener, sans qu'elle ne sache. Donc, c'est comme ça qu'on a procédé. Mais elle avait déjà fait des aveux. Oui. Je l'ai reconnu comme sorcière. Oui. Voilà. Donc on va détruire ça parce que nous, c'est pour ça que je n'ai pas fait rentrer dans la cour. On va détruire. C'était pour nous éliminer, c'est ça? Pour gâter le centre. Je les gêne. Pourquoi? Je les gêne tous les sorciers. Ils vont éliminer le centre. Ça ne les plaît pas. Elle a donné sorcellerie à sa fille. Mais sorcière, tu bois si saint des sorciers, tu as des sorciers. Nous allons prier, tous les pasteurs, nous allons prier. Et nous détruisons les œuvres de la sorcellerie. Notre ministère consiste à la destruction des œuvres de la sorcellerie. Nous ne jouons pas le petit schiste, nous ne jouons pas avec tout ce qui est maraboutage, nous ne jouons pas avec tout ce qui est sorcellerie. C'est pour ça que nous allons détruire ça par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu et notre roi. Nous prions et nous invoquons la puissance de ton esprit. Nous prions pour que le pouvoir et la puissance de ton esprit consument cette œuvre satanique et démoniaque au nom de Jésus-Christ. Révélez les au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons par la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mettons genoux à l'écomistique de toute la sorcellerie. Vous parlez au fétif, vous dites c'est fini leur pouvoir, tu te sépares. À partir d'aujourd'hui, je déclare mon pouvoir est terminé au nom de Jésus. Que ça soit brisé au nom de Jésus. Vous n'avez plus le pouvoir sur moi. J'ai quitté vous, vous n'avez plus le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir sur vous, ils ont le pouvoir sur moi. Je quitte à partir d'aujourd'hui dans mon royaume au nom de Jésus. Je vous appartiens plus, mon pouvoir appartient à Dieu. Au nom de Jésus, que ce soit brisé dans nous. Si cette déclaration, nous proclamons vaincu le royaume des ténèbres par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Mettez les feux, on va brûler. Nous voulons consumer les œuvres du diable. Comment ça brûle? Voilà. Nous consumons les œuvres du diable. Lève-toi, allez. Le royaume de la lumière de Jésus-Christ, c'est le royaume de la lumière et le royaume du diable, le royaume des ténèbres ne composent pas ensemble. Christ nous a créés, fabriqués au fait, en tant que croyants, en tant que fils du royaume, pour nuit. 1 Jean 3, le verset 8. C'est pour ça que nous dévoilons et nous détruisons les œuvres des ténèbres. Voilà, nous en avons détruit ce pouvoir satanique et démoniaque. Voilà. Mettez sur le plastique là. Mettez le plastique, plastique bleu là. Plastique bleu.
On va le voir, on va le voir. Voilà, nous proclamons la puissance. Nous proclamons et en même temps, nous mettons le feu dans le camp de la confrérie. Nous détruisons le pouvoir de la confrérie à la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, que leur pouvoir soit neutralisé, qu'il soit jamais vaincu dans le nom de Jésus. Madame, c'est toi qui m'as attaqué la dernière fois. Yes. Are you the one who attacked me last night? Mm-hmm. Last time? Maintenant, tu veux parler. Allez. J'ai pas chez vous. J'ai intérêt à dire non. Je me souviens pour... Smiley. Allez, she's looking at me. Comme on est en combat. As if we're in fire. Je suis prêt pour vous, les autres. Où sommes-nous? Ma misère. On n'est même pas camarade, on n'est même pas camarade. Parce que vous n'avez pas les bonnes pensées en vous. Mais les gens pensent, vous, tout ce qui est dans votre tête, c'est dégâté. What is in mind is what. Et c'est moi, vous voulez tuer. And you want to kill me. Tu appelles enfin qui? Hein? Un jeune de son frère. Tu l'as maltraité. Et tu fais ça? Hein? Oui, papa. Tu as fait quoi? Comment ça se met? Can I help someone? Can I help Cécile? Nous donnons Cécile. Tu vois ça? Oui. C'est pas un gibier. Est-ce pas moi? C'est ça que vous là, hé, tu as compris, hein? On a tous compris ici. Vos yeux brillent contre la cellule. Vous allez vous désabonner de la cellule. Ah! Souvent c'est pour la question. Ça fait toi, hein? J'espère. Tu connais même pas. Puis les gens sont chauds, c'est même du effet. Tu la connais même pas. C'est chaud. Okay, I think. Ah! Yeah, if you don't know that. Donc il boit ça. Is it true? Comment tu fais pour donner? How do you manage to get it to you? Bon, là où t'as bien parti là. Vous avez attendu quoi? Vous avez ça? Ici on attend tout, hein? Te laisse bien ou bien? Merci. Ici on attend tout. Oui, tout bien, avec tout bien. Donc vous avez entendu, hein? Hein? Ça me fait faire les choses, du coup. Sinon, ça va nous embouter. Là, il puis boit ça. La nitrite. Comme les sucrés. La nitrite. Donc, et puis après, il pense à toi. Then I'll pray about you. Qu'est-ce que tu as fait après? Je suis allé chez mon père maintenant. Quand j'ai fini, je suis allé chez mon père. Il n'y a pas ceux qui puissent m'aider parmi mes soeurs. Où il est? C'est ta préférée? Hein? Chez le monde. Viens. Elle a trop maltraité le vieux. Qu'est-ce que c'est? Sa maman était son papa dans le salon, elle dit, je vais aller lui donner ma bosse. La première bosse. Vous êtes tendre. Je sais qui vous. Ça va maintenant? Ça va. Je suis là, regarde. Oh, ouais, le Seigneur, le Seigneur.
le premier jour d'arrivée, c'est comme si le premier voyage de Fatima. Parce que le lendemain, je vous ai dit ça, j'étais déjà parti, ça va. Pour oublier, il y avait un problème. Parce que le film, il y avait un problème pour rien comme ça. C'était à la base de tout ça. Et vous avez déjà enlevé, vous sortez de nous. On les appelle troisième semaine. Troisième semaine, donc vous venez de suivre une intervention chirurgicale. C'est la suite, il semble avec tous les mots après. Non. Vous avez bien avancé. Avant ça. Okay. Et je sens d'ici, il y a les deux, merci. Je suis super content d'ici. Vous avez dit, ça faisait combien de temps, vous savez qu'elle est sorchée? Trois mois. Vous l'avez su. La main, vous savez combien de temps? C'est depuis 2014 à 2014. Et depuis 2014, ça fait trois... 2014, 2 ans. 2014. Mais comment c'est trois ans? Parce que j'ai commencé à souffrir de pieds, alors je suis que vraiment l'intervalle de tout ça. Mais où tu es rentré pour savoir? Non, c'est sa soeur qui est tombée en transe et qui va quelque chose qui lui a dit, c'est toi qui fais mal à parler. Elle veut nier. Je dis, bon d'accord, c'est ça où je vais t'amener la médication. C'est ainsi que, bon, j'ai une connaissance. Là, ah, on dit tu as nié avant. Oui. Oui, papa, je parle. Non, n'est pas même cœur à être comme ça. D'accord. Il dit j'ai pour mourir. Okay. Il faut qu'elle expérimente l'amour de Jésus. Hein? Non, oui, mais c'est ça. Il faut qu'elle aussi expérimente la bonté de Dieu. Non? Son âme a besoin d'être sauvée. C'est bizarre, mais c'est ça. Ça l'était comme ça, Dieu aime ça. Les gens bizarres. Dieu les a beaucoup. Quand ils sont convertis, ils ont plus la vie de Dieu que nous. Tu as tué ta maman? Comment t'as mangé? Il y a un conseil. Il veut bien lâcher une main. Elle aussi. Son âme. Donc les gars savaient pas d'abord. Non, c'est qui les gens, c'est qui tu dois dire. On gagne un temps, non, c'est toi qui l'as tué. Il était au salon, il était dit sa bouche, Moi, j'étais dans la bouche. Tu disais avec elle. Oui, j'ai fait en sorte que mon papa, après, quand mon papa est là, son âme là, elle la protège. Moi, j'ai fait en sorte qu'il puisse sortir au delà de ma grand-sœur aussi. Avec ma grand-sœur. Dès que je suis sorti au Lyon, et puis ma grand-sœur, la première fille, papa, viens, je suis parti. Ça fait 14 ans, je suis 35 ans. Donc c'est 2014 qu'elle est ici. 14 ans. Papa, donc quand j'étais là, ça va. Dès qu'elle dit qu'elle va y aller, c'était quelqu'un là. Et voilà. Je suis tes lames de crocodile. Je suis tes lames de crocodile. Ok. Moi, c'est le père, j'ai fait. Si mon père est sorti. Où tu as tué ta maman? Et papa. Il prend que tu as mis au monde. Tu peux penser à tout ça? Et pourquoi? C'est ça, parce qu'il fait. Parmi tous mes soeurs, c'est moi, elle l'aime beaucoup. Quand tu voulais donner du bien à ta maman, c'est pas si tu veux. Quand
À chaque année, elle donnait des cadeaux, les fêtes de mer. Alors que ce qu'elle donnait, c'est le même, elle donnait ce qu'elle donnait. Nous, on ne peut pas savoir. Chaque cadeau, les fêtes de mer. Je pense que parce que mes amis parmi mes soeurs, donc je fais pas des mères, je lui donne des cadeaux, c'est un signe que j'ai. Regarde, ma tête, donne son bouton. Oui. Et puis après? Après, il est tué. Il m'a demandé. J'avais peur de dire. Donc, on dormait soir dans la chambre avec ma grande soeur. Comment est-ce que tu as fait? Quand il me donne l'argent, on dit maman, ah tiens l'argent, comme tu fais rien à la maison, donc on prend l'argent. Et tu as les deux jours, tu as mangé, moi j'ai 5 000, 2 000. Donc là-bas, je suis attrapé son âme. Après son âme, oui, le programme, il l'a attaché. On a passé partout chez l'église, tout ça là. Donc,
un jour, on mes parents qui non, on est notre quoi qui nous fait délivrer. Donc, on dit, ça va dire non. Et eux, ils ne couraient pas. Pourtant, ils ne sont pas à la maison. Et ils ne couraient pas. Ils sont au dehors. Ils vont au dehors, ils promènent seulement. Non, vous êtes mes camarades. Parce que le vieux était malade, donc. Ils sont au dehors. Donc, c'est ça, le juge a arrivé, puis ma partie de l'envoi. Voilà, donc quand un sorcier fait les aveux, vous voyez, après avoir parlé, il faut que le démon soit chassé du corps. Vous comprenez? Je suis de donner un enseignement. Parce que dans son corps se trouve un esprit. Et c'est cet esprit qui fait d'elle une sorcière. Donc si elle fait des aveux qu'elle a parlé, que le démon ne sort pas, elle demeure sorcière. Parce que faire des aveux ne veut pas dire qu'on est délivré de la sorcellerie. On a fait des aveux sur la confession. Il y a un second pas. Il sait qu'on doit faire, qu'un homme de Dieu a fait, c'est de nous débarrasser de ce démon. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, on a en nous l'esprit malin. Et l'esprit méchant. Donc l'esprit de la sorcellerie est le démon d'esprit méchant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Une fois le démon parti, c'est fini, elle est délivrée. Le livre est strong. Sortez! Come out. Il faut que tu aies ça aussi. La puissance de la parole, l'autorité, et ça sort dans ta parole. Amen. Commence le feu sur toi. Fire. Quitte son corps. Leave your body. 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 Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Stop. Go. Allez, go. Allez, go. Le feu sur toi. Fire in you. Le feu sur toi. Fire in you. Le feu sur toi. Fire in you. Come on. Allez. Fire. 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 C'est pas comme ça, vous embrassez. How can you take this kind of bitch? J'ai une bonne goût. Que Dieu nous aide. Hein? God really help us. Il vous aide. Really bless us. Tu cherches quoi? Non, mes affaires ne marchent plus. C'est où tu as mis ta tête là? C'est ça qui fait ça. Elles ont la capacité de vous attirer vers elles. Ability to attract you. Justement, pour elle. Prends ta chance. Just to take your. Ou vendre. Il faut des trocs. Pas facile, mais en tout cas, d'accord. Sinon, on va tomber sur une possédée. Elle va boire nos cerveaux comme des guêpes. Comme les cailles, non? Ça va, maman. Mon cerveau est déjà parti. Ma tête a Alzheimer. Tu oublies tout. La clé de ta voiture. Et Dieu, tu nous aides. Aide-nous, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Délivre-nous, délivre-nous. Feu! Fire! C'est la puissance. Maîtrisez là. Fais ce qu'il faut. Allez, sors. Come on. Sors. Avance. Sors. Avance. Quitte son corps. Va. Go. Va. Go. Va. Go. Va. Go. Va-t'en. Go. Tu dis bien son âme. Oui, c'est ça. Maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Quitte. Allez. Oui. Fais sur toi. Fire lui. Va. Go. Allez. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Le feu sur toi. Fire me. Le feu sur toi. Fire me. Le feu.
Aïe. Le feu. Aïe. Consume tes œuvres dans ce cas. Le feu. Laisse. Le feu. Aïe. 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 Venez s'apporter une assassin. Le feu. Aïe. 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 Au nom de Jésus. Come on! I'm coming! Feu! Fire! Quand on est à longtemps, le feu te brûle. Ça t'a brûlé, tu t'en vas ici. Le Saint-Assemblée, le feu l'a brûlé, que la pluie. Il allait consacrer son village. Il a continué de manger les gens, le feu l'a brûlé. Tu vas quitter son camp? La chair. Attends. Comme ça, le camp. La chair. Va-t'en. Va-t'en. Voilà, va-t'en. Va-t'en. Pousse ton cri et pars. Pousse ton cri et pars. Quitte son corps. Maintenant même. Right now. Va. Go. Ouais, le démon est en train de partir. Voilà. Le démon va partir. On attend Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu t'appelles? Ça va? Éteins sa pipe. Et allemand. Ça va? Comme ça? Ça va? Comment tu t'appelles? Regarde-moi, regarde-moi. Okay. Hein? Qu'est-ce qui est sorti de toi? Hein? Le serpent. Tu es délivré. Amen. Elle est délivrée au nom de Jésus. Comme l'esprit est parti, n'est-ce pas? C'est parti devant nous, non? Ça veut dire qu'en elle se trouvait un esprit. Elle n'était plus maître de sa volonté. Comprenez? Sans cela que nous autres là, nous prenons le temps de comprendre et d'aider ceux qui font la pratique de la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle la possession. Il y a un démon qui est là qui contrôle ton cœur. Tu as l'impression que l'esprit te pousse vers le bas. Non, c'est comme ça. On s'éteint, s'il vous plaît. Là, on s'éteint, laissez. Les gens ne font pas un travail laissé. On te s'associe là-bas. Personne ne peut contre moi-même. Il faut qu'elle soit remplie maintenant du Saint-Esprit. C'est la partie la plus importante de sa vie. Parce que quand on est débarrassé d'un esprit, Dieu amène son esprit pour nous amener à avoir la pensée positive et de contrôler notre cœur, nos pensées. Vous voulez penser à est-ce qu'elle a bien saisi? Les gens veulent monter les techniques de délivrance. Elle a fait des abus, n'est-ce pas? La grande partie. Voici une partie où le démon a chassé le démon. Elle est convaincue que quelque chose est parti d'elle. Vous comprenez? Maintenant, nous allons faire quelque chose d'important. Elle va. Nous, on fait juste un, on ne peut pas. Ça va? Maintenant, on envoie Jeannette. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Regardez ce qui va se passer. Lève ta main. Regardez ce que la force de Dieu va faire. Tu veux recevoir le Saint-Esprit? Non, les yeux, non, on n'a pas besoin de fermer les yeux. Lève ta main sur moi. On n'a pas besoin de fermer les yeux. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. On va faire la prière.
C'est différent, hein. Quand un démon sort, c'est différent. L'onction est différente de la présence de démon. L'esprit est doux. C'est le démon qui fait agiter les gens. C'est la chose qu'il veut connaître, tout ça. Comme la nature aurait le vide, et que... Croyez en Jésus. Oui, il existe. Oui, croyez en Dieu. Amen. Croyez. Le diable ne peut pas confesser le nom de Jésus. Le diable ne peut pas dire Jésus est bon. C'est une confirmation. Qu'elle allume l'esprit de Jésus. Croyez, Jésus est bon. Donne-moi lui. Regardez, c'est quoi qui s'est passé. Lève-toi. Regarde. Maintenant, la partie importante de cette action, elle doit prêter serment. C'est différent de Jésus. Hein. Ah, il faut comprendre ça. Le médecin, sa thèse, après, c'est prêter serment. Il prête serment devant Dieu, les hommes, tout ça. Même les médecins, même les juges, les magistrats. Or, le serment ne le rend pas. Même les chefs d'État. On dit l'ordination du chef de l'État. Il prend la Bible, vous savez pas, devant, il parle. Devant Dieu, je décide, je vais bien gérer l'argent de l'État. Là, quand tu manges, on t'en met en prison. C'est comme ça. Donc le serment, on ne brise pas ça. On peut briser un pacte, mais pas le serment. Le serment, c'est devant Dieu. C'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de Dieu et des hommes. C'est ce qu'elle va faire. Or, si elle prononce ça, qu'elle retourne à la sorcellerie, ce qu'elle a dit là, ça va retourner contre elle. Parce que la Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il le moins son donnera. M'a bien saisi. Voilà. C'est comme son travail. Alors que le monde spirituel. Lève tes deux mains. Vous savez qu'il y a eu une initiation, n'est-ce pas? Elle a été initiée, donc il y a eu. Elle a prêté serment. Elle a fait un pacte. Ça a été brisé tout à l'heure. Au travers de la prière. Maintenant, c'est un serment.
tu vas prendre l'engagement devant Dieu et les hommes, si jamais tu retournes dans la sorcellerie, que tu sois foudroyé par la puissance de Dieu. Tu es d'accord avec ça? Ok, donc tu le dis devant tout le monde, porte-moi. Oui, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement devant Dieu et les hommes. Je ne vais plus jamais retourner à la société. Si jamais je retourne, je meurs. Sur cette déclaration, nous faisons cette action pour céder cette parole. Le jour où tu retournes à la société, que le châtiment de Dieu s'abat sur toi. Amen. Elle est délivrée, c'est fini. Tu t'es content déjà? Tu t'es gêné à la fin maintenant. Mets-toi là. Son témoignage, mets-toi là. Non, un peu sur la place. Moi, mon témoignage. On te connaît pas ton nom? Excusez-moi. Je m'appelle Levon Léonich. Je viens d'un grand village. Bon, mon témoignage, j'étais dans la sorcellerie. Donc j'ai tué les gens, j'ai ramassé les bus, je faisais les tours, j'ai gâté beaucoup de personnes. J'ai tué ma mère et j'ai gâté mon père aussi. En me tuant, mais ça n'a pas pu marcher. Donc mes compagnons aussi, ils avaient les yeux sur l'église. Ils ont fait un pétiche. Comme les gens de l'église, mais ça n'a pas pu marcher, mais ils ont dit non, ils allaient tuer le prophète. Donc ça n'a pas marché. Donc, je remercie ma tante aussi, qui m'a envoyé dans cette église pour ma délivrance. Et hier, ma délivrance était faite par la grâce de Dieu. Et je remercie Dieu d'avoir fait ma délivrance. Et je lui ai dit quoi? Que je veux rester avec lui, j'ai décidé de marcher avec lui pour toute l'éternité. Donc, je lui dis merci pour ce qu'il m'a fait. Moi, je veux dire aussi à ceux qui ne croient pas que Jésus existe. Jésus existe, il fait des miracles. Donc, si vous avez des gens comme moi, comme ça, envoyez-le ici pour leur délivrance, par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Alléluia.
Les gens disent que sorcellerie n'existe pas. Pourquoi c'est là? Pourquoi je crois que ça existe? C'est pour la question. Il y a rien qui dit non, ça existe. Non, ça existe. Hein? Oui, papa. Et elle existe. La sorcellerie existe? Oui, papa. Comment? Oui. Donc, on peut t'initier dans la maison. Donc, quand tu es là, tu es enfant, on peut te mettre dans la. On peut passer par la nourriture, okay. Nous dans le son. Donc, tu es convaincu que tu es délivré? Oui, papa. Tu es convaincu? Oui, papa. Tu ne sois plus de ton corps? Non, papa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui.